Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 7 avril 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'attire de bonnes relations et de bonnes personnes dans ma vie. Je m'entoure facilement de gens positifs et sains. Et bien pour terminer la semaine, j'ai pigé la dame de terre. Généreuse, ayant le sens des réalités, affable, matérialiste, capacité à tout rendre plus beau, amour de la famille et de la maison, procédé de façon pragmatique, amour de l'art et de la beauté, une approche raisonnable. Donc nous sommes dans la suite de terre qui parle tout ce qui est aspect évidemment matériel, qui a sur l'état des finances, sur le travail, comment gagner sa vie, comment subvenir aux besoins de sa famille, etc., etc. La dame de terre. De toutes les paires royales, la dame et le roi de terre sont ceux qui se ressemblent le plus. Vos visions du monde et vos priorités sont à peu près les mêmes. Les rois et les dames du tarot ne sont pas nécessairement mariés, mais ceux de la suite de terre ressemblent plus que les autres à un couple. Alors en tant que dame, eh bien, pour certains d'entre vous, vous êtes attentionnée, vous êtes chaleureuse. Pour certains, vous êtes stylée, ingénieuse et extrêmement créative. Vous êtes étonnamment douée pour tout ce qui est manifester vos désirs. Vous êtes douée aussi pour les bonnes choses, puisque vous avez tendance à gagner de l'argent, mais vous êtes douée aussi pour les dépenser. Et heureusement que si maintenant vous avez un roi à côté de vous, eh bien que ce roi est riche. Pour certains d'entre vous, vous avez un don pour peut-être le dessin, la conception et la décoration. Et votre amour pour la nature, eh bien, elle se traduit par la capacité à réaliser des bouquets comme vraiment une professionnelle. En fait, tout ce qui vous entoure, eh bien, est sublime. Alors, je ne vais pas vous cacher que vous aimez la beauté, l'art, les mets les plus délicats et les environnements luxueux. Vous avez l'œil pour repérer la qualité au lieu de la quantité. Mais cela ne vous rend pas superficiel pour autant, n'est-ce pas? Vos grandes priorités dans la vie, eh bien, sont vos enfants et votre époux ou votre compagnon, votre maison et votre environnement. Alors, comme la dame d'eau, eh bien, vous désirez vous occuper de tout. Vous désirez vous occuper de tout le monde. La différence, c'est que vous veillez, pour votre part, à satisfaire également vos besoins. Vous prenez soin de votre apparence, de beaux vêtements, une bonne forme physique et des soins cosmétiques réguliers sont indispensables à vos yeux. Il y a d'autres moyens, n'est-ce pas, de faire. Combien vous ont coûté ces vêtements? Pourquoi vous souciez-vous de ce que pensent vos voisins? C'est un appel de conscience ici. Cette carte fait appel à votre conscience. Est-ce que tout ça est nécessaire pour être heureux, heureuse? Posez-vous cette question. Tout ce qui est dans l'ostentatoire,
Est-ce que ça vous rend heureux, heureuse? Alors, je suis d'accord, il en faut un peu, mais pas à outrance. Vous êtes une personne chaleureuse, bienveillante, sympathique, sensible, gentille. Et on vous demande d'avoir les pieds sur terre. Et ne pas être possessive, ne pas être matérialiste, en manquant de vue à long terme, n'est-ce pas? Revenez à vous, revenez à ce qui est essentiel dans votre existence. Est-ce que c'est les beaux vêtements, les vêtements de luxe, etc. Donc voilà, on vous demande vraiment, cette carte vient vous demander de bien réfléchir et vient faire un appel à votre conscience. Je termine par le petit oracle des anges gardiens et éternité, ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es, par nature, une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Eh bien, c'est un beau message pour le week-end pascal, n'est-ce pas? Puisque ça va être Pâques. L'éternité. Je vous souhaite un bon week-end pascal, une belle fête pascale pour certains d'entre vous, pour d'autres ce n'est pas une fête parce que ce n'est pas leur religion. Donc voilà, mais bon, il faut être tolérant dans, et accepter toutes les religions. Ici, c'est la fête pascale. Donc, je vous souhaite une magnifique fête en famille, dans la bienveillance, la gentillesse, la joie, n'est-ce pas? L'altruisme, l'amour inconditionnel. Et puis, on se retrouve pour une prochaine capsule. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous, mais dans la douceur. Prenez soin de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et puis moi, je vous embrasse. À tout bientôt.